بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت، لا يحول ولا يزول ولا يفوت، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا يتغير ولا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وجامع الناس لميقات يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرة أخرى يتاح لنا أن نجلس معا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في أعلى جنان الخلد مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخواني، أنبه وأعتذر إلى من يفهم لغة العربية فهما جيدا، أعتذر إليهم لأنني سأقتصر في هذا اللقاء على اللغة الفرنسية نظرا لضيق الوقت وكي تعم الفائدة، فاعذروني على كل حال. Mes chers frères, une fois de plus Allah Azza wa Jal nous permet de nous réunir dans une de ces demeures afin de passer un moment dans lequel nous allons étudier quelques versets du Saint-Coran. Et on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous réunisse dans ce bas monde toujours sous son obéissance et dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du paradis. Et comme je disais, je m'excuse auprès de nos frères arabophones, car cette conférence sera seulement en français, du moins en partie ghalibuha, en majorité, vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, et afin que tout le monde puisse en profiter le plus. موضوع حديثنا الليلة، إن شاء الله ce soir, nous allons parler et tenter de commenter, d'expliquer des versets du Coran. Sachez mes frères qu'Allah Azza wa Jal, parmi les nombreux buts que renferme la descente du Coran et de la révélation, il y a le fait que l'on médite sur les versets, sur la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. De nombreuses fois, Allah Azza wa Jal nous appelle dans le Coran à ce que nous méditions le sens des versets du Coran. Allah Azza wa Jal, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Et s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient certes trouvé de nombreuses divergences. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils pas méditer le Coran, ou est-ce que sur leur cœur se trouvent des cadenas? Et d'autres versets qui nous montrent l'importance de la méditation du Coran. Et sachez mes frères que le fait qu'Allah عز وجل ait décidé de guider nos cœurs vers la méditation du Coran est un des plus grands bienfaits que l'on puisse énumérer. Car sachez mes frères que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, aucune parole
ne lui est équivalente ou bien peut lui être comparée. Mes frères, on a choisi de voir ensemble ce soir certains versets de Sourate Al-Waqi'ah. Sourate Al-Waqi'ah, qu'on traduit en français par l'événement. Cette sourate, mes frères, est une sourate mekwaze, bittifaqi ahli tafsir. C'est une sourate qui a été révélée dans la période pré-égiroise, c'est-à-dire avant l'émigration. Al-Waqi'ah, mes frères, est un des noms du jour du jugement. Et pour celui qui lit le Coran, il remarque et se rend compte qu'Allah Azza wa Jal nomme le jour du jugement par différentes appellations. Chacune de ces appellations contient un sens qui nous permettra de comprendre et de savoir mieux ce qui se passera ce jour-là. Al-Waqi'ah, on a dit en français, disent l'événement. Ça vient du verbe waqa'a, qui veut dire arriver. Yani, elle arrivera. On pourrait même traduire de façon plus juste par l'échéante. L'échéante au féminin. Yani, as-sa'a, l'heure. C'est-à-dire, c'est une heure inéluctable qui forcément va arriver. قال تعالى إذا وقعت الواقعة. Lorsque l'inéluctable, l'échéante, l'événement se produira, arrivera. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal cite, ou du moins nomme le jour du jugement, Al-Waqi'ah, dans un autre verset, dans surat Al-Haqqah, قال عز وجل فإذا دكت الأرض والجبال دكة واحدة وحملت الأرض والجبال دكة أنا نسيتها أنا قاعد فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال أيوة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. الله عز وجل يجي في quand un seul souffle on soufflera dans la trompe et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors l'événement se produira. Donc c'est le deuxième verset dans le Coran où Allah Azza wa Jal cite le jour du jugement et le nomme comme étant Al-Waqi'ah. Ensuite Allah Azza wa Jal dit إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ. Donc là si on se base sur la traduction, j'ai ramené mon Coran en français avec moi pour qu'on compare entre la traduction qu'on a dans les ouvrages et le sens qu'on comprend, du moins un aperçu du sens qu'on comprend en arabe. Donc la traduction nous dit « Nul ne traitera sa venue de mensonge ». Donc là, on a la traduction, elle est faite en fonction d'une des deux paroles qu'on trouve chez Ahlul Tafsir. Donc « Min al-mufassirin man qal anna kadhiba fil ayah sifatun » لموصوف محذوف تقديره نفس يعني ليس لوقعتها نفس كاذبة ويؤيد هذا القول قوله تبارك وتعالى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Donc là on comprend ce verset, nul ne traitera de mensonge sa venue. Ça c'est conforme à une des deux paroles des Mufassirin concernant ce verset, où ils nous disent que kadhiba, yani menteuse, si on traduirait mot à mot, est l'adjectif qualificatif d'un terme qui a été supprimé, mais qu'on comprend dans le contexte du verset. Ça voudrait dire, aucune âme ne traitera de mensonge ce jour-là lorsqu'il arrivera. Ce jour-là, lorsque la fin du monde arrivera, et que les gens, après qu'ils soient ressuscités, ou bien ceux qui sont encore vivants avant que leur âme ne soit prise, avant que ça ait lieu, lorsqu'ils le verront de leurs propres yeux, plus personne ne pourra le nier. لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً. وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ أَنَّ كَاذِبَةً إِسْمٌ فَاعِلْ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ إِسْمُ الْفَاعِلْ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ من ذلك قولهم العافية بمعنى المعافاة ومن ذلك قولهم
العاقبة بمعنى العقبى، فيكون التقدير ليس لوقعتها كذب، يعني أن وقوع هذا اليوم صدق وحق جازم ليس بكذب. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقوله تبارك وتعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. والقولان لا يتناقضان، إذن آية أو معنى الآية محمول عليهما كما تقرر عند المفسرين. La deuxième parole, c'est que le mot kadhiba, donc cela, on va faire un peu de révision concernant des règles de conjugaison arabe, il est sous la forme de ce qu'on appelle ismul fa'il. C'est le nom qui est tiré selon la forme du verbe. Enfin, en français, on dirait il a mangé, donc c'est un mangeur. Donc on dit kadhaba fahuwa kadhib, il a menti, donc c'est un menteur. Donc là, il est sous la forme de ce nom-là, qui est tiré du verbe, mais il indique le sens du masdar. Le masdar, en français, c'est le substantif, c'est-à-dire le nom qui a le sens du verbe, mais qui reste un nom. Donc, après tout ce charabia, ça voudrait dire que laïsa li waqa'atiha kadhiba, yani, il n'y a aucun doute, aucun mensonge dans le fait que ce jour-là va arriver. Il n'y a aucun doute, aucun mensonge dans le fait que ce jour-là va arriver. Yani, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans le Coran et dans la Sunna à travers le prophète alayhi salatu wa salam qu'il y a un jour dans lequel il ressuscitera tout le monde et les réunira et les rassemblera et les jugera et les rétribuera en fonction de leurs actions, ceci est une vérité formelle dans laquelle il n'y a aucun doute. Les autres versets du Coran nous permettent de comprendre ceci. Par exemple, Allah dit « Allahu la ilaha illahu »« Allah, point de divinité digne d'être adoré que lui, hormis lui »« La yajma'annakum ila yawmil qiyamah »« Il vous réunira le jour du jugement »« La raiba fih »« Il n'y a aucun doute en cela » Dans notre verset, Allah Azza wa Jalla dit « Rabbana innaka jami'un nasi li yawmil la raiba fih »« Ô notre Seigneur, tu vas certes réunir les gens dans un jour dans lequel il n'y a aucun doute » Et à travers cette rencontre, Inch'Allah, si on a le temps, on essaiera d'instituer, du moins de vous rappeler ou bien de vous enseigner des règles qui sont connues chez les savants du tafsir, qui nous permettent de faire face à certaines situations telles que celle-ci. Comment on fait lorsqu'on regarde dans le tafsir et qu'on voit que les savants, ils donnent plusieurs interprétations sur le même verset? Les ulama nous disent que si ces interprétations ne sont pas contradictoires les unes l'une envers l'autre, alors, on attribuera au verset le sens de toutes ces interprétations-là. Donc, il n'y a pas de mal à dire « Laïsa li waqa'atiha nafsun kadhiba » Aucune âme ne traitera de mensonge sa venue lorsqu'ils le verront. Et l'autre interprétation, le fait que ce jour-là arrivera n'est pas un mensonge, n'est pas quelque chose de faux. « Summa qala ta'ala » إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة يعني ألا بسخة رافعة إلا لفغة وفي تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال عند المفسرين الأولى أن الله تبارك وتعالى سيرفع في هذا اليوم أو نبدأ بما بدأ الله به سيخفض في هذا اليوم أناسا في أسفل سافلين يعني في نار جهنم لكفرهم وعنادهم وطغيانهم من ذلك قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ويرفع أهل الطاعة والصلاح إلى أعلى عليين لقوله تبارك وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى القول الثاني شبيه بالقول الأول وهو أن الله تبارك وتعالى سيخفض أناسا في هذا اليوم بعدما تكبروا على أهل الطاعة والإحسان في هذه الدنيا
فيجعل عليهم الذل والصغار والعار والشنار، لأنهم حسبوا أنفسهم في هذه الدنيا أنهم من الكبراء والعظماء والسادات وغير ذلك، فانقلبت عليهم حالهم في هذا اليوم العظيم. قال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والقول الثالث هو أن المخفوض والمرفوع في هذا اليوم الرهيب هو بعض الأجرام التي تكون في طبيعتها عالية فتصبح نازلة، وبعض الأجرام التي تكون في طبيعتها سافلة نازلة فتصبح في العلو. من ذلك قوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وقوله تعالى: وإذا الجبال سيرت، وقوله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فالشمس في كبد السماء تسقط، والنجوم تزين السماء تسقط أيضا، والجبال موضوعة على الأرض يجعلها الله تعالى كالسحاب، فهذا فوق يصبح تحت، وهذا تحت يصبح فوق. وكما قلنا آنفا لا معارضة بين هذه الأقوال، فتحمل الآية عليها. دونك دوزيام جمعة تخوازيام فيرسي، الله عز وجل il décrit ce jour-là comme étant élévateur ou bien rabaissant. C'est-à-dire que ce jour-là, il y aura des choses qui seront rabaissées et d'autres qui seront élevées. Quoi ? Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla n'a pas expliqué de quoi il s'agit. Alors, sachez mes frères, une autre règle dans le tafsir, que ce qui interprétera et expliquera le mieux le Coran, c'est le Coran lui-même. Donc si on peut trouver dans le Coran des éléments nous permettant de comprendre ces versets, on doit y revenir en priorité. Première parole que les savants nous donnent pour expliquer ce verset: khafidatun, elle abaissera, rafi'a, elle élèvera, khafidatun, elle abaissera et mettra des gens dans le plus bas degré de l'enfer. Comme le verset où Allah Ta'ala nous dit: innal munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar, les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer. Et elle élèvera les croyants, les pieux, les bienfaisants, dans les plus hauts degrés du paradis. Les qawlihi ta'ala: et celui qui viendra à Allah en tant que croyant et en ayant accompli des œuvres pieuses, à celui-là les plus hauts degrés. Autre parole qui nous dit: al-jaza min jinsil amal, c'est-à-dire que la rétribution qu'Allah azza wa jalla fera ou donnera à ces créatures sera conforme aux actions qu'ils commettaient dans ce bas monde. C'est-à-dire que les gens qui s'enflaient d'orgueil et se sentaient au-dessus des autres dans ce bas monde, notamment au-dessus des croyants, Allah Azza wa Jal les mettra au plus bas. Allah Azza wa Jal les mettra au plus bas. Alors que les gens parmi les croyants qui étaient dénigrés par les autres à cause de leur foi, ceux-là, Allah Azza wa Jalla, il les élèvera. Et on a deux hadiths qui rentrent dans ce domaine-là. Pour les kuffars, le prophète dit, alayhi salatu wa salam: yuhsharul mutakabbiru yawm al-qiyamati ala surati dharra, yani namla, yaghshahu al-zullu min kulli makan. L'orgueilleux sera ressuscité le jour du jugement sous l'apparence d'une fourmi. L'humiliation,
l'entourera de toutes parts. Il se prenait pour un grand dans ce bas monde, il sera tout petit, yawm al-qiyama, au pied des autres. Alors que les croyants, on a dit qu'Allah il les élèvera pour leur foi et la patience qu'ils ont eue envers le raillement et la moquerie des autres sur eux parce qu'ils s'accrochaient à leur foi. Voici dans le hadith, alayhi sallatou salam, yuqalu li ahli al-Qur'an, ou li sahib al-Qur'an, iqra' wartaqi, warattil kama kunta turattilu fi dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. On dira à celui qui lisait le Coran au jour du jugement, lis et élève-toi et récite comme tu récitais dans ce bas monde. Et sache que ta place sera désignée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Et Allah dans le Coran fait référence généralement à cette situation. Dans Surat Al-Mutaffifin, Allah Azza wa Jalla dit « Les criminels riaient de ceux qui croyaient et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, ils se faisaient des signes avec leurs yeux, en disant, regarde, regarde, il est en train de passer. Et nous, on pourrait croire que ça concerne les koufars, mais ce n'est pas que les koufars. Al-mujrim hada yashmal al-kafir wal-mu'min. Al-mu'min alladhi yastahdi'u bi-ikhwanihi al-multahin, wa-ikhwanihi al-mutaqammisin, wa-ikhwanihi alladhina ya'taduna al-zahaba ila al-masjid, wa-ikhwanihi alladhina yad'una ila Allah wa ma shbaha dhalik. فاتق الله يا عبد الله أن تشير بالبنان إلى من زين وجهه بلحيته وبتشبثه بالسنة خوفا من أن تكون ممن قال الله فيهم هذه الآيات. Ce verset, mes frères, quand on dit les criminels, c'est un descriptif général qui peut englober autant les mécréants que certains croyants. Des croyants qui lorsqu'ils voient des musulmans, des pieux, des gens qui s'accrochent à la sunna et qui font leur possible pour la mettre en évidence, pour la manifester, lorsqu'ils passent près d'eux, ils se font des signes avec leurs yeux, leur disent « Chauffe, chauffe, ah ouais, qu'il est faute. » Regarde, il est en train de passer, ils se font des clins d'œil. « وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ » Donc crains Allah mon frère, ne te moque pas de tes frères seulement parce qu'ils portent la sunna. Seulement parce qu'ils ont réussi là où tu as échoué. Et crains Allah de ne pas faire partie. Et espère et fais en sorte de ne pas faire partie de ces gens dont Allah Azza wa Jal parle. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyants, lorsqu'ils voyaient les croyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Ha'oula ila dhalloun. Ce sont eux les égarés. Ils le voient aller à la mosquée, il dit Hada Talf Mosquée. Ils le voient lire le Coran, il dit Hada Mayarash, il le Coran, ou Mayfahmch le Coran, ou Huwa Benafsi, il Mayfahmch, ou Mayarash le Coran. Lui, il voit les gens lire le Coran, il dit Hada Mayarash, il le Coran. Ils ne savent pas lire le Coran. Et quand ils les entendent interpréter le Coran, ils disent non, ceux-là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et quand ils voient aller à la mosquée, ils disent ceux-là, ils sont égarés, ils font n'importe quoi. Salif Darak, Makrad Lijama, Alash. Comme on l'a entendu et on l'a entendu. Prie chez toi, pourquoi je vais à la mosquée? C'est pas la peine d'aller à la mosquée. Lorsqu'ils retournent chez eux, ils disent à la famille, ceux-là, ce sont des égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Alors, aujourd'hui donc, le jour du jugement, ce sont ceux qui ont cru, qui riront des infidèles. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, khafidatun rafi'a. On l'a dit, les pieux seront élevés, les mauvais seront rabaissés. Soit dans les plus bas degrés de l'enfer, soit en eux-mêmes, à cause de l'orgueil avec lequel ils se déguisaient dans ce bas monde. Troisième parole, celle des savants qui disent que ce qui sera élevé ou rabaissé concerne certains astres ou certaines choses qui en temps normal sont élevés ou rabaissés. Ce qui est en haut finira en bas, ou l'axe, bil'axe, et vice versa. Le soleil, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal le détruira, et il disparaîtra. Et les étoiles, elles tomberont, alors qu'en temps normal, elles sont fixées au ciel.
Et Allah, il parle des montagnes en disant, elles vogueront comme les nuages voguent dans le ciel. Donc il les a comparées à des nuages, pour montrer comme quoi, malgré leur solidité et leur densité et leur poids, ce jour-là ne pèseront plus rien et Allah les fera voler en éclats. ثم قال عز وجل إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes. Donc ce jour-là, il y aura de nombreux changements dans la création. Donc la terre sera secouée violemment. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. Lorsque la terre sera secouée violemment, des tremblements de terre, elle tremblera, elle sera secouée. وبست الجبال بسا. قال أهل التفسير البس بمعنى السير تسير. ومن ذلك ما قلناه ما ذكرناه آنفا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Et tu verras les montagnes, tu auras l'impression qu'elles sont immobiles alors qu'elles bougent comme les nuages bougent. Et les montagnes, mes frères, elles sont des créatures d'Allah Azza wa Jal, immenses et magnifiques, que quiconque lorsqu'il les regarde est émerveillé. Et il est bon de s'arrêter un moment sur les montagnes. Allah dans le Coran nous parle des montagnes à diverses reprises. Parmi ces versets où Allah nous parle des montagnes, les versets qui concernent l'état des montagnes à la fin, lorsqu'Allah Azza wa Jal les réduira à néant. Mais avant de dire certains de ces versets, il y a un hadith qu'il est bon de connaître et qui est très fort en sens. Ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض جعلتها أو جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. Lorsque Allah عز وجل a créé la terre, elle s'est mise à tanguer. La terre s'est mise à tanguer. Alors Allah عز وجل a créé les montagnes et par elles il a fixé la terre. Elle a arrêté de bouger. فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال فقال عز وجل نعم النار فقال نعم الحديد فقال نعم الحديد. Donc les anges, lorsqu'ils ont vu cette montagne, l'effet de la montagne sur la terre, se sont étonnés. Ils ont dit, « Ya Allah, est-ce que dans ta création, il y a une chose plus forte que les montagnes ?» Allah Azza wa Jalla a répondu, « Oui, le fer. » فَقَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَا رَبْ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ نَعَمْ النَّارِ فَقَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَا رَبْ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ فقال تبارك وتعالى نعم الماء فقالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء فقال تبارك وتعالى نعم الريح لأن الريح تحمل الماء وتجعلها مطرا فقالت الملائكة يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح فقال تبارك وتعالى نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. Donc Allah il a répondu, donc les anges lorsqu'ils ont su que le fer était plus fort que les montagnes, les anges ont demandé, ya Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que le fer? Allah il a répondu, oui, le feu. Alors les anges ils ont demandé, ya Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que le feu? Allah il a répondu, oui, l'eau. Alors les anges ont demandé, ya Allah,
est-ce qu'il a quelque chose de plus fort que l'eau? Les anges, Allah, il a répondu, oui, le vent. Parce que le vent, il porte l'eau et en fait de la pluie. Par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bien sûr. Et Allah, les anges ont demandé à Allah, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que le vent? Alors Allah Azzawajal a dit oui, le fils d'Adam, qui lorsqu'il fait une aumône avec sa main droite, la cache à sa main gauche. Tu veux être plus fort que le vent, plus fort que l'eau, plus fort que le feu, plus fort que le fer, plus fort que les montagnes? Donne ton argent, fi sabilillah, de façon tellement discrète que même ta main gauche ignore ce que ta main droite a donné. إذن الجبال مخلوق من مخلوقات الله العظيمة. C'est une des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala les plus grandioses. Et pourtant, dans le Coran, Allah il nous informe comment ces montagnes finiront. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Allah il dit, et il t'interroge au sujet des montagnes, il dit, mon Seigneur les dispersera comme de la poussière, et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression. Il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de colline. Ce sera plat. Plus aucune trace nous permettant de savoir qu'avant, ici, il y avait une montagne. Cette créature qui permet à la terre de rester fixe et stable, le jour du jugement, Allah Ta'ala, il la fera voler en éclats. Et quand on regarde dans le Coran, les différents endroits où Allah il parle des montagnes, on voit de nombreuses choses qui sont toutes aussi étonnantes les unes que les autres. Parmi celles-ci, lorsqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a informé dans le Coran que Al-Nasara ont prétendu injustement et par un mensonge énorme qu'Allah Azza wa Jal avait pris un fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les montagnes, malgré la dureté et la solidité de leurs parois, ont renié de la plus forte façon cette prétention. Et ont failli se fendre tellement elles n'ont pas supporté un tel mensonge. Allah il dit dans le Coran, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله يجزي القرآن ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Toi, combien de fois par jour t'entends de la part de tes voisins ou de la part des gens autour de toi, le Fils de Dieu, c'est ces gens qui prétendent adorer Allah de cette façon-là. Et est-ce que ça suscite en toi ne serait-ce qu'un tremblement? Sache mon frère que les montagnes ont failli s'écrouler lorsqu'elles ont entendu un tel mensonge et une telle ignominie. Dans le Coran, lorsqu'on étudie l'histoire de Moussa alayhi salam, on arrive à cet épisode où Moussa a ce privilège d'avoir un entretien, d'avoir une discussion avec Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il fait de son mieux et de son possible afin que cette discussion dure le plus longtemps possible. Et de fil à aiguille, il veut avoir plus. Déjà il jouit d'un privilège que personne ou très peu de gens dans la création ont eu le droit d'avoir, mais lui veut plus. Alors il demande à Allah Azza wa Jal, ya Allah, montre-toi à moi. Qala Rabbi arini anzur ilayk. Ya Allah, montre-toi que je te vois. Alors Allah Azza wa Jal lui a donné une leçon par le biais d'une montagne pour qu'il se rende compte qu'à cause de sa faiblesse,
à Moussa alayhi salam et de son incapacité dans sa création, il lui serait impossible de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui a dit, وَلَا قَالَ لَن تَرَانِي, tu ne me verras jamais dans ce bas monde. Hein, pour ceux qui disent que l'an ici, c'est jamais tout court. Là, Allahu Azza wa Jalla yura yawm al-qiyama. وأعظم النعيم لأهل الجنة أن يتلذذوا بالنظر إلى وجه الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعني croient et ont comme conviction qu'Allah تبارك وتعالى sera vu le jour du jugement et sera vu dans le paradis, et que le plus grand et le plus magnifique des délices des gens du paradis sera le fait de contempler le visage d'Allah تبارك وتعالى. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des sectes qui se revendiquent à l'islam et qui prétendent qu'Allah ne sera jamais vu ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Et ils prennent comme dalil ce verset où Allah dit « Lan tarani ». Lan ici, tufidun nafi. Lan, ce mot-là, est un pronom, du moins c'est un adverbe négatif. Un terme qui indique la négation. Eux disent c'est une négation absolue qui ne sera jamais changée. Même Hatta Zamakhshari dans son tafsir, Al-Kashaf, il dit لَنْ تُفِيدُ النَّهِي الْمُطْلَقِ أو النَّفِي عَفْوًا الْمُطْلَقِ, يعني la négation absolue. وَهَذَا خَطَأ. Regardez à quel point ils se servent de tout ce qu'ils peuvent trouver pour appuyer leurs convictions, ne serait-ce que des règles grammaticales. Mais alhamdulillah, les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a ont prouvé par les règles grammaticales que ce qu'ils avançaient ne tenait sur rien. لن تراني, tu ne me verras pas dans ce bas monde, mais tu me verras يوم القيامة, comme les autres versets l'appuient. Mais Allah, il a voulu montrer à Moussa alayhi salam que c'est pas qu'il ne le verra pas dans ce bas monde parce qu'il a fait des péchés ou parce qu'il ne le mérite pas. Non, c'est parce qu'il est incapable physiquement de supporter le fait de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il lui fait comprendre avec une montagne. Il lui a dit, ولكن انظر إلى الجبل, mais regarde vers la montagne. فإن استقر مكانه فسوف تراني, regarde vers la montagne, si jamais elle reste en place, alors tu me verras. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Lorsque Allah Azza wa Jal s'est manifesté à la montagne, elle a volé en éclats. Et Moussa alayhi salam, par l'intensité du choc, est tombé évanoui. Lorsqu'il a repris connaissance, il a dit gloire à toi. Yani gloire à toi, rien n'est comme toi. La yushbihuka shay, laysa ka mithlihi shay, la kuf'ala, la niddala, la yushbihuhu shay. Rien n'est comme toi. Tu es parfait, tu as les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Rien ne t'égale, rien n'est équivalent à toi, rien ne te ressemble. Subhanak, tubtu ilayk, je me repens à toi d'avoir formulé une telle demande. Wa ana awwalul mu'minin, et je suis le premier des gens, des croyants, au fait que tu ne seras pas vu dans ce bas monde. Wa ana awwalul mu'minin, laisse ala l'itlaq. C'est pas je suis le premier des croyants. Hunaka man sabaqa Musa fil iman, fil azminati al-ba'ida. Il y a de nombreuses personnes qui ont devancé Moussa dans le temps, dans la foi. Ce n'est pas le premier à avoir cru, mais c'est le premier à croire qu'Allah Azza wa Jal ne sera pas vu dans ce bas monde. Parce que lui, il a vu les faits sur la montagne. On continue et on voit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il avait donné à Daoud alayhi salam une voix magnifique. Une voix magnifique avec laquelle lorsqu'il lisait Az-Zabur, les psaumes, ou bien lorsqu'il évoquait Allah tabaraka wa ta'ala, les montagnes tanguaient avec lui. Les montagnes tanguaient avec lui malgré leur dureté et leur fermeté, et invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala avec lui et chantaient ses louanges. قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Ô montagnes, répétez avec lui, avec Daoud, ce qu'il dit comme glorification, ainsi que les oiseaux, et nous lui avons adouci le fer. Et Allah dans le Coran dit, Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq. Nous avons assujetti, nous avons soumis les montagnes avec lui, avec Daoud alayhi salam, afin d'évoquer et de glorifier Allah
du soir au matin. On continue. Et là, on regarde la place de certaines montagnes dans la sunna. Et la première montagne qui vient à l'esprit du croyant, qui a un minimum de culture générale dans la sunna, c'est la montagne de Uhud. Barakallahu fikum. La montagne de Uhud. Dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette montagne particulière. Parmi ces hadiths-là, le hadith qui est dans le Bukhari d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète a dit alayhi sallatu wassalam, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve qu'il y a des montagnes qui aiment les musulmans. Parmi celles-ci, Uhud. Ça ne s'arrête pas là. Dans notre hadith, le prophète alayhi sallatu wassalam nous fait comprendre que cette montagne de Uhud est soumise aux ordres du prophète alayhi sallatu wassalam. Comme il a été rapporté d'après le Bukhari, toujours d'après Anas, qala radiyallahu anhu, صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحدا أو أسكن أحد قال أنس أظنه ضربه برجله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليك إلا نبي وصديق وشاهدان أو وشهيدان. Donc Anas nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gravi la montagne de Uhud. Il y avait avec lui Abu Bakr, Umar et Uthman radiyallahu anhum. Lorsqu'ils étaient tous les trois sur cette montagne, Uhud, elle se mit à trembler. Alors le prophète il lui a dit alayhi sallatu wa sallam, tranquillise-toi ya Uhud, calme-toi. Et Anas il dit, je crois qu'il l'a frappé avec son pied. Ensuite le prophète il lui a dit, il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Le shahid fil hadith anna al-jabal tawaqqafa 'an ar-rajfi ba'da amri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lahu. Ah, le hadith c'est que la montagne s'est arrêtée de trembler lorsque le prophète lui a dit calme-toi, arrête-toi. Et enfin cette montagne là mes frères, sachez qu'elle fait partie des montagnes du paradis. Wa hadha al-hadith alladhi yukhbiruna bi hadha أخرجه أحمد من حديث أبي عبس ابن جبر رضي الله عنه مرفوعا قال جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة وذكر هذا الحديث ابن حجر في الفتح وصححه. On a un hadith qui nous dit que cette montagne fait partie des montagnes du paradis. Conformément d'après ce que Ahmed rahmatullahi alayhi a rapporté, d'après Abu Abs ibn Jibr رضي الله عنه, comme quoi la montagne de Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime, et elle fait partie des montagnes du paradis. Et ce hadith-là a été authentifié par Ibn Hajar dans le Fath. Et après tout ce que vient de dire sur les montagnes, on va mettre un point final avec un verset du Coran. Wallah tabaraka wa ta'ala nous dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se recueillir de crainte d'Allah. Et voici les exemples que nous frappons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Ça veut dire quoi, mon frère? C'est que la montagne, malgré sa dureté, malgré sa fermeté, malgré sa solidité, si le Coran avait été révélé sur elle, elle se serait affaissée, elle se serait écroulée, elle se serait recueillie de crainte d'Allah. C'est pour ça qu'elle a refusé de porter le dépôt. Comme Allah dit dans le Coran, Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zalouman jahula. Nous avons proposé le dépôt, yani la foi, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Et elles refusèrent de le porter. Et en éprouvèrent une crainte particulière. Et on l'a proposé à l'être humain, il a accepté. Pourquoi? Il était injuste et ignorant. Pourquoi je vous dis ça, mes frères? Parce que nous, avec notre chair, notre sang, notre peau, nos ongles, nos cheveux, nos os,
quelqu'un, une créature faible et fragile, le Coran ne nous fait malheureusement quasiment aucun effet. Est-ce que tu es plus dur qu'une montagne ? Apparemment oui. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Après ceci, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont durs comme de la pierre, si ce n'est plus. Alors qu'il y a dans les pierres certaines qui se fendent et desquelles coulent des ruisseaux. Et il y en a certaines qui, il y a dans les pierres certaines desquelles coulent des ruisseaux. Et il y en a d'autres qui, lorsqu'on les fend, lorsqu'on les casse, on y trouve de l'eau. Et il y en a d'autres qui tombent par crainte d'Allah. Donc, Yahri, il se peut que tu lises le Coran une fois entièrement, deux fois, trois fois, un nombre dont seul Allah Ta'ala sait ou connaît, et que ça ne suscite en toi aucun effet. Pose-toi des questions, Yahri al-Karim. Nous wassilu kalamana fi tafsir hadihi, ou ba'di ayati hadihi, as-surat al-mubaraka. Hein? قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة. Ce jour-ci, vous serez trois groupes. أزواج هنا ليس معناه الرجل مع امرأته. لا. معناه الشكل والصنف. ومن ذلك قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أزواجهم أي أصنافهم. ومن كانوا على شاكلتهم وكنتم أزواجا ثلاثة. Vous serez ce jour-là trois groupes. Trois groupes et pas trois couples. Même si on peut dire le mot couple, là ça rentre dans, par rapport au sens. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a mis ensemble par rapport à un trait qu'ils ont en commun. Ça ne fait pas référence à l'homme et à sa femme forcément. Quels sont ces trois groupes ? فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Premier groupe, les gens de la droite. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a cités en premier afin de susciter dans le cœur des croyants une envie à faire partie de cela. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Et quant aux gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche? Et Allah Azza wa Jalla les a cités en deuxième position afin de susciter dans le cœur des croyants une crainte et une peur de faire partie de ces gens-là. Et les devanceurs, ceux qui ont devancé, qui sont avant tout le monde. Et Allah Azza wa Jalla les a mis après, en dernier, pour plusieurs raisons parmi celles-ci, afin que les gens de la droite ne se suffisent pas dans cette partie, mais qu'ils fournissent des efforts supplémentaires pour faire partie du dernier groupe. As-sabiqoun, as-sabiqoun. Ceux qui ont devancé, ceux qui sont avant tout le monde. Comment Allah décrit ces gens-là? Il dit, oulaïka al-muqarraboun. Al-muqarraboun, hein, on revient à une analyse grammaticale du mot. Al-muqarrab, c'est ce qu'on pourrait appeler un participe passé en français. C'est-à-dire celui qui a été rapproché. والمتبادر إلى الذهن هو أن يوصف هؤلاء بالمتقربين لكونهم عملوا أكثر من غيرهم وعلى وجه أحسن وشكل أتم. فلماذا وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم هم المقربون ولم يقل عنهم أنهم المتقربون إلى الله بفعل الخيرات وترك المنكرات. Ici Allah عز وجل décrit السابقون, يعني ceux qui devancent par le bien et les bonnes actions. Il dit qu'ils ont été rapprochés. Et il ne dit pas qu'ils se sont rapprochés, يعني qu'ils ont devancé les autres
en se rapprochant, en faisant le bien, avec bienfaisance et perfection, et en ayant un lien particulier avec Allah tabaraka wa ta'ala. On comprendrait, nous, que toi, en faisant tes bonnes actions, tu devances les autres et donc tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah ici dit quoi? Ils ont été rapprochés. Pour nous faire comprendre que si tu es arrivé à ce degré, ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup de bonnes actions, mais c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a fait l'énorme cadeau et t'a donné ce privilège et t'a accordé la réussite pour que tu puisses atteindre ce degré et cette place. Pour que tu comprennes que tout le bien que tu puisses faire, c'est seulement parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé les moyens et la réussite de le faire. Pour que tu puisses comprendre que personne ne rentrera au paradis par ses actions. Quand le prophète a dit ça, alayhi salatu wasalam, aux sahaba, ils ont dit, même toi, ya Rasulallah, il a dit, même moi. Sauf si Allah m'englobe dans sa miséricorde. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Wa in kunta min a'zamil amilin. وأشدهم في العمل والجد والاحتساب. Aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses actions, même si on œuvre plus que quiconque et qu'on est les plus acharnés, les plus assidus dans nos actions, sauf si Allah Azza wa Jalla nous fait miséricorde. Parce que si Allah nous faisait rentrer au paradis, du moins nous jugerait par sa justice seulement, sans sa miséricorde, sachez mes frères qu'aucun d'entre nous ne mériterait d'entrer au paradis, même si on avait passé notre existence, le front par terre à invoquer Allah Azza wa Jalla sans faire aucun péché. Comprends les expressions qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour décrire ses serviteurs. Et regarde les nuances qui existent entre les termes. والسابقون السابقون أولئك المقربون. نقف إن شاء الله بعد ذكر فائدة أخيرة ولعلنا نؤجل الحديث إلى لقاء آخر إن شاء الله. Je m'arrête encore sur un point et le reste de la sourate viendra إن شاء الله. Je demande son explication dans d'autres rencontres بإذن الله. Donc والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Donc là Allah عز وجل nous cite certains des délices du paradis. Il nous dit, en parlant des rapprochés, ils seront dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premiers, les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations. Sur des lits ornés d'or et de pierres précieuses, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères, yani des brocs, et un verre rempli d'une liqueur de source. Wahuna, nunikhu al-mataya. ونميط اللثام على أمر في الغالب يجعل قارئ القرآن يتساءل. يقول سبحان الله، الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات أو هذه الآية الأخيرة التي وقفنا عليها عدة أمور. قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، صيغة الكلمة إيش؟ جمع. وأباريق، صيغة الكلمة أيضا جمع. وكأس، ولم يقل كؤوس. هل مر بأحدنا بكل صدق مع النفس؟ هذا السؤال. أنا أحيانا أقرأ في كتاب الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ويقول بعد ذكره لبعض الآيات، وهنا يتساءل طالب العلم. ووالله يعني واقعة هذه قراءتي لهذه الجملة كالصعق، وأدرك عندئذ أني لست طالبا للعلم، أو لست طالبا للعلم كما يراه الشيخ رحمة الله عليه. Mes frères, on remarque dans ce verset une chose. Allah il dit que les gens du paradis, ils seront accoudés sur des divans et se feront face les uns aux autres. Et il y aura des jeunes enfants qui resteront éternellement jeunes, qui circuleront autour d'eux et qui leur serviront certaines choses. Ils leur serviront des coupes.
et leur serviront des aiguillères, c'est des brocs. Donc là, on remarque que c'est au pluriel, des coupes et des aiguillères, des brocs. Et un verre dans lequel il y aura une liqueur de source. Alors là, tu remarques, pluriel, des coupes, pluriel, des brocs, et un verre. Pourquoi ? Allah Azza wa Jal, il a cité le mot verre au singulier. Et là, tu te demandes, est-ce que tu lis vraiment le Coran ? Est-ce que tu te poses vraiment les questions, les vraies questions ? Est-ce que tu te dis, pourquoi Allah, là, il a parlé au singulier, alors justement, c'est au pluriel ? Et voilà, et des fois, on lit dans le Coran, je lis dans le livre de Al-Shinqiti, dans Adwa al-Bayan, rahmatullahi alayhi, il parle de certaines choses, après il dit, et ici, l'étudiant dans la science religieuse s'interroge. Mais moi, je ne me suis pas interrogé. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Et ça me fait l'effet de la foudre qui me tombe dessus. Et je me dis que soit je ne suis pas un étudiant dans la science, ou en tout cas, je ne le suis pas pour Shinqiti, rahmatullahi alayhi. Et là, chacun il pose la question, pour ceux qui ont déjà lu cette sourate, qui comprennent un peu les versets, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi le mot « kas » il est au singulier, il n'est pas au pluriel ? Pour ne pas perdre de temps, je m'arrête là-dessus. Sachez que le Coran il a été révélé aux Arabes dans une époque particulière. Taïf. Et sachez que les Arabes avaient de nombreuses habitudes, de nombreuses traditions dans toutes choses. Notamment dans le fait de manger et de boire, et dans leurs assises. Et sachez que les Arabes, lorsqu'ils se réunissaient, notamment les notables et les nobles du peuple, ils se réunissaient et chacun avait une coupe et avait son broc duquel il se versait du vin. Ils buvaient du vin, les Arabes, c'était connu. Mais le meilleur des nectars qui était donné aux participants de cette assise était mis dans un seul verre qui tournait entre chaque personne participant à cette assise. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a conservé cette habitude, cette tradition que les Arabes avaient auparavant dans le paradis. C'est pour ça que le mot verre, il est au singulier. Chacun, il aura sa coupe, il y aura de nombreux bros qui verseront leur vin dans ces verres-là, mais le summum et la meilleure des boissons qui sera bue par les gens du paradis dans cette assise-là sera dans un seul verre qui tournera d'une personne à l'autre. Comment tu peux savoir ça? Si tu n'as jamais étudié les Arabes, comment ils vivaient avant? Comment tu peux prétendre étudier le Coran alors que tu n'as pas étudié la langue arabe? Et tu ne peux pas étudier la langue arabe sans avoir jeté un coup d'œil sur les Arabes avant l'islam, comment ils étaient, afin de comprendre l'emploi de certains mots dans certaines situations et pas d'autres. Naktafi bihad al-qadr. J'avais préparé beaucoup plus, mais khair, inshallah, on verra pour une autre fois. On m'a dit d'arrêter parce qu'il fallait laisser le temps aux gens, aux frères, de faire l'wudu. Ah non, il me reste encore un peu de temps. C'est à 49. Bon, je rajoute une faïda. Là, je m'arrête. On m'a dit 10 minutes avant l'adhan, donc il me reste 5 minutes, je suis dans les temps. On a parlé du vin. On a dit que dans ces verres-là, ils auront du vin. Et vous savez tous, mes frères, qu'au paradis, le vin est une boisson, bien entendu, licite. Car au paradis, il n'y a rien d'interdit. Et bien sûr, le vin du paradis n'a rien à voir avec le vin de ce bas monde. Le vin de ce bas monde est caractérisé en général par deux caractéristiques. C'est un peu lourd, mais on va faire avec. La première, yafned. أو ينفد عفوا تنفد الخمر مؤنث الخمر تنفد يعني il se tarit, il n'y en a plus. Tôt ou tard, à un moment, ta bouteille, enfin la bouteille de ceux qui en boivent, va'afana Allah wa iyyakum min hada. Hein? C'est les lapsus qu'il ne faut pas faire dans les mosquées. Donc, ceux qui en boivent, tôt ou tard, leur bouteille se vide. Et ils se regardent les uns les autres, il n'y en a plus, comment on fait? Deuxièmement, c'est que al-khamr yusakir. Le vin enivre. Wa yuzhibu l'aql. Et il fait perdre la raison. Wa yuzilu ish al-lub. Et il fait perdre l'intelligence. Vous avez tous vu sûrement des ivrognes. Comment ils agissent, comment ils font
lorsqu'ils sont sous. Le vin du paradis a perdu, du moins a gagné, la perte de ces deux choses. C'est-à-dire qu'il ne se tarira jamais et il est éternel. Il y en aura toujours. Ton vin, ton verre ne sera jamais vide. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Le paradis qui a été promis aux pieux contient des fleuves d'eau pure, des fleuves de lait qui ne dépérit jamais, des fleuves de vin qui sont un délice pour ceux qui en boivent, et des fleuves de miel qui sont épurés. Et dans surat al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla décrit ce vin comment il est. Il dit Azza wa Jalla, la yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una anha, il n'enivrera pas. Paradis, tu y bois du vin, tu ne seras jamais sous ni ivre. Tu resteras maître de ta raison et de tes forces. Wala yunzifun yani la yanfat. Il y en aura toujours à portée de main, à disposition. Wa kama ta'lamun shurbul khamr fi hadhihi ad-dunya haram. Bal huwa min akbar al-kaba'ir wa man sharibaha fi hadhihi ad-dunya lam yashrabha fi al-akhirah. Et vous savez tous mes frères que le fait de boire du vin, ou plus précisément tout ce qui enivre, parce que al-khamr ne fait pas référence seulement au vin, c'est-à-dire à l'alcool de raisin, là, mais ça fait référence à tout ce qui enivre, que ce soit liquide ou autre, en y entrant tout ce qui se fume ou tout ce qui se met dans les veines comme drogue, tout ça rentre dedans, hein? Donc celui qui en boit dans ce bas monde n'en boira pas dans l'au-delà. Mais dans notre hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam que celui qui boit donc de l'alcool, ce qui enivre, Allah Azza wa Jal ne lui accepte pas sa prière pendant 40 jours. S'il se repent, Allah accepte son repentir. Et s'il recommence et qu'il meurt ainsi, kana haqqan 'ala Allah an yusqiyahu min tinati al-khabal. Ce sera un devoir pour Allah de l'abreuver d'un fleuve en enfer qu'on appelle Tainatul Khabal. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله وما Tainatul Khabal قال عصارة أهل النار. Les sahabas ont demandé ya رسول الله c'est quoi ça Tainatul Khabal? Il a dit c'est tous les liquides qui coulent des gens de l'enfer. Imagine. La sueur, des larmes, du sang, du pu et autres. Un mélange de tout cela et qui remplira le ventre des gens en enfer qui se remplissaient le ventre dans ce bas monde avec de l'alcool. Wal jaza' min jinsi al-amal. Et la rétribution est conforme à la nature de l'acte. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahfadhana wa iyyakum min kulli su' وأن يعافينا من الوقوع فيما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. ومن الله de nous protéger de tout mal et qu'il nous garde à l'abri de ce que le prophète a appelé dans ce bas monde la mère de tous les maux, ni le vin. C'est la mère de tous les maux, de tout ce qui est mauvais, c'est le vin, la mère. نكتفي بهذا القدر ونعتذر للقصور في تبليغ المراد و نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا لقاء آخر حتى نتم الكلام وإلى هذا اليوم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on se contentera de cela inshallah et on demande à Allah de nous permettre de nous revoir une autre fois pour qu'on puisse finir ensemble l'explication de cette sourate ou du moins certains versets de cette sourate. Et jusqu'à ce jour-là, on demande à Allah de nous préserver tous et de nous permettre de comprendre le Coran et de le mettre en application. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa barakallahu fikum ajma'in.